Qu'est-ce qu'il y a, mon Titi? Maman, elle est allée aux courses? Et moi, vous? Ouais. Allez, la team, je vous dis bonjour. On est jeudi et bienvenue dans un nouveau vlog. Allez, on est le 4 avril aujourd'hui, on est jeudi. Je vais me faire chauffer un petit café. Je viens de rentrer, il est 10h10 exactement. Ilia prenait le collège à 9h ce matin et du coup, je l'ai amené au collège. Et on va commencer par ça de suite. Je viens de rentrer, mais j'ai plein de trucs à mettre au frais. Et en fait, sur le trajet, j'ai entendu qu'à Auchan, il y avait une promotion sur des crevettes. Voilà, donc 5,99€ le kilo, ça faisait vraiment pas cher. Et je me suis dit, vu que je passe devant l'Auchan, ben je vais m'arrêter. Et en plus, Auchan, je vous ai toujours dit qu'il y avait beaucoup d'anti-gaspi. Et du coup, j'ai pris pas mal de choses. Donc voilà, je vais remplir mon congélateur. Je suis bien contente. J'en ai eu pour... €54,77. Voilà. 50 balles, quoi. Bon, du coup, j'ai pris des crevettes. J'ai pris 1 kilo. Donc, j'en ai eu pour 6,99€. Hein. 5,99€, pardon. Donc ça, je vais les mettre au frais. Et je vous ai déjà dit, les crevettes comme ça, vous pouvez les décortiquer et les mettre au congélateur. Donc moi, c'est ce que je vais faire si j'utilise pas tout aujourd'hui. En anti-gaspi, pour moi, ce midi, j'avais rien. Donc du coup, je me suis pris ça. C'est des petits sandwichs comme ceci au thon. Après, il y avait des salades et tout ça. Mais les salades, elles étaient toutes à base d'œufs. Et moi, ça me convient pas. J'aurais été malade. Ensuite, j'ai pris une baguette comme ceci. Voilà, donc ça, c'est pas d'anti-gaspi. Et un avocat, pas d'anti-gaspi. Allez, je vous montre maintenant de quoi remplir mon congélateur. J'ai pris des hauts de cuisse comme ceci à 2... Alors, au lieu de 2,49€, 1,74€. Voilà, donc il y en a 3. Donc ça, c'est bien. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris des steaks hachés comme ceci. On en a 6. À la base, c'était 6€. Je les ai eus à 3,90€. Donc voilà, ça vaut le coup aussi. Ensuite, j'en ai pris deux comme ça. C'est des saucissons à l'ail. Alors, je ne sais pas si Jérôme aime ça. 1,03€ le saucisson à l'ail au lieu de 1,71€. J'ai pas gagné grand-chose dessus, mais bon, 1€ le saucisson à l'ail. Je me dis pour lui mettre dans des saucisses ou des choses comme ça, des saucisses. Pff. Lui mettre avec des lentilles et tout ça, ça peut être cool. Donc, ça, c'est pareil, ça va aller au congélateur. Ensuite, j'ai pris un poulet comme ça. Poulet entier, donc au lieu de 8,18€, 5,32€. Donc ça, c'est cool aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Je voulais goûter carte noire café latte. Donc c'est un café qui se boit froid. Et ça, c'était 1,31€ au lieu de 1,67€, je crois. Donc je vais mettre au frais, on goûtera, on verra bien. Ensuite, j'ai pris de la viande rouge... Donc de la viande bovine, donc une entrecôte, au lieu de 7,58€, je l'ai payé 4,17€. Ensuite, j'ai trouvé des blancs de poulet à 4,12€ au lieu de 5,89€. Donc voilà, hein, ça vaut le coup à chaque fois. Bon, c'est 30% par-ci, 30% par-là, mais quand vous calculez 2€ plus 2€ plus 2€, ben, ça fait des euros. Ensuite, j'ai pris, bon, là il n'y en avait qu'une, mais c'est pas grave, 1,11€, petite escalope comme ça de dinde. J'ai pris des saucisses, mais je les ai pris pour les toutous, 2,20€ au lieu de 2,75€. Voilà, des petites saucisses. J'ai pris des dés de poulet comme ceci, alors là j'ai pas trop compris leur truc, 2,30€ au lieu de 2€, je sais pas. Donc ça, je vais les mettre au congélateur. J'en avais déjà pris la dernière fois. Mais je pense qu'ils se sont plantés sur le prix. Pour Elia, je lui ai pris un joker comme ceci, ananas. Je sais qu'elle l'aime bien et on ne le trouve pas partout. En attendant que mon café arrive, ben, j'ai repris une boîte de café. J'espère que j'en aurai assez, on verra. Ensuite, il y avait du rôti de dinde comme ça. Donc ça, ça va au congélateur aussi. 1,67 au lieu de 2,87. Donc il n'y a pas grand chose, mais voilà, pour faire des salades ou quoi, ça peut être cool. Et pareil pour du blanc de poulet comme ça. Bon, il y a 4 tranches, pareil, 1,84€ au lieu de 2,30€.
Et j'ai pris aussi, alors j'ai regardé sur internet, celui-là il y a marqué garantie jamais congelé. Donc je vais le mettre au congélateur, donc du saumon de Laberry, comme ça il a l'air super bon. Au lieu de 8,45, je l'ai payé 5,49. Donc je gagne 3 euros aussi dessus. Donc franchement, ça vaut le coup. Et par contre, pas en anti-gaspille non plus, j'ai pris des miettes de surimi comme ceci. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, même si je compte 2 euros par article gagné ou 1 euro, bah vous gagnez vite 10 balles quoi. Bah, rien que le poulet là, j'ai gagné 3 euros dessus. Les steaks hachés là, pareil. Ouais, c'est ça, j'ai gagné 3 euros dessus. Enfin bon, voilà. Donc moi je dis que ça vaut le coup. Vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, je vais tout mettre au congélateur. Au moins, j'aurai de la viande. Et voilà. Parce que vu que j'avais bien, bien vidé le congèle, j'ai envie de vous dire. Bon, j'ai pas grand chose. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. J'ai de la viande hachée, j'ai de la viande rouge et tout ça. Et ça, je vais le laisser. Et je vais le garder pour les loulous. Comme ça, je leur fais cuire deux saucisses. Je le coupe dans leurs croquettes. Et au moins, ça leur fait manger leurs croquettes. Ouais, c'est comme des gosses. Ils sont difficiles. Allez, moi je mets tout ça au congèle, je me fais mon petit café et je vous dis à toutes. Bon, je voulais vous reprendre et plus de batterie, sinon c'est pas drôle. Bon, faut que je recharge mes batteries parce que sinon je pourrais pas trop continuer le vlog. Donc là, il est 11h et quelques, je suis en train de faire chauffer les saucisses pour les loulous. Comme ça au moins, ben, ça sera froid pour leur mettre dans leur gamelle, pas alors que ça soit trop chaud, vous voyez. Et là, il est quelle heure? Il est 11h20, ça va. 11h20. Oh, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Allez, j'ai eu de brancher ça. Mon chargeur à batterie. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, je viens de faire une ouverture. J'ai reçu une enveloppe ce matin d'une abonnée dans l'autre côté. Donc, je viens de faire l'ouverture. Là, j'ai chargé la vidéo. Et cet après-midi, il va falloir que j'aille faire des vidéos un petit peu parce que, on va dire, j'ai pas trop d'avance. Et il faudrait que je m'y mette. Je vais reprendre aussi un petit efferalgan parce que là, je sens que... Voilà. Hop, on est pas mal. Tu vas vouloir manger de la saucisse? Est-ce qu'il va vouloir manger de la saucisse, ce petit chien? Ouais, tu vas vouloir manger de la saucisse? Ah ben lui, il attend, ça sent bon la saucisse. Vous comprenez bien que... Hein? Ouais. Ça sent la saucisse? Moi j'aime les saucisses. Il comprend le mot saucisse, c'est trop marrant maintenant parce que je lui dis tu veux de la saucisse, il est tout fou comme ça là. Trop marrant. Bon allez, moi je vais finir de faire cuire ça, je vous reprends après. Et je pense au tirage au sort. Donc dès que j'ai remis rentre ce soir, on fait ça direct, comme ça au moins on sera calé. Hein, parce que sinon on va pas y penser. Je vous ai pas montré, regardez au fait les épices. On a fait un gros tri hein, parce que vous voyez c'est vachement plus vide, enfin je sais pas, vous n'avez pas vu avant. Et voilà, on les a mis comme ça, hop, comme ça on voit directement ce qu'il y a dedans. Et vous voyez les pots au moins sont tous pareils. Et franchement ça fait plus propre, ça fait plus sympa quoi. Ça fait coloré. C'est trop génial. Vous n'avez pas montré au fait. Vous avez vu? C'est chouette hein. Voilà, petit aparté. Bon, je vous reprends un peu avec mes lunettes de soleil, ouais, parce qu'on est dehors en train de profiter du soleil avec les loulous. Franchement, on a un temps de fou. C'est vraiment... c'est trop bien, quoi. Toto, par contre, je sais pas où il est. Toto, il chasse les petites bêtes. Il trouve des petites rapiettes. Donc, mais le problème, c'est que vu qu'on a un mur, vous savez, comme ça, là, et il y a des petits trous dans le mur, et les rapiettes, elles vont dans le mur. Et du coup, bah, Toto, il se met à... au niveau du mur quoi. Je sais pas où il est. Pas où il est passé. Bon, il a dû rentrer peut-être. Et franchement, on a un super soleil et tout. Ça fait trop du bien. Franchement, ce matin, en plus, je vous ai dit, on n'a pas un temps de ouf, il faisait pas beau. Et là, je sais pas, c'est arrivé d'un coup, c'est trop cool. Et on a un boubou KO là. Hein, tu bronzes? Elle, dès qu'il y a un peu de soleil, elle bronze, elle est trop bien. Elle est trop bien, voilà. Bon, mais je vais à la recherche de Toto, parce que je sais pas où il est passé. Je pense qu'il est allé dans la scrap se coucher. Ouais, je sais pas où il est passé. Là, vous voyez, j'aurais dû faire la salade aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah ben si, j'ai mes crevettes pour ce soir. Donc je vais voir, je pense que je vais faire une salade avec des crevettes pour ce soir. Ben non, mais j'ai perdu Toto. Il est où? Toto?
T'as vu Toto, Bibou? Il est où? Titi. Bon, j'ai perdu Toto, moi. Oui, c'est vrai que j'ai crevettes pour ce soir. J'avais carrément zappé. Et du coup... Bon, ben, je vais chercher Toto. Je sais pas où il est. Comment ça m'inquiétait. Titi. Loulou. Et ouais, je pense que je vais faire une salade ce soir avec les petites crevettes. Mais il va falloir que je les épluche. Et ça va être le plus long. Bon, allez, moi je vous laisse et je vais chercher Toto parce que ça commence à m'inquiéter, je le trouve pas. Alors, je vous dis que ce chien n'écoute pas. En fait, il s'était caché. Vous allez voir. Hop, vous êtes prêts? En fait, on le voit pas trop. Il est tout petit. Alors, je passe, je repasse devant lui, je l'appelle. Et je fais Toto, t'es où? Toto, t'es où? Regardez où il est. À moitié endormi au niveau de ce que j'appelle moi le buisson. Vous voyez les fleurs comment elles sont là? Toto, t'es où? Salut. Maman elle t'appelle depuis tout à l'heure. Et moi je l'avais pas vu dans les buissons là. Croyez que. Hein loulou? Maman elle t'appelle depuis tout à l'heure. En plus c'est une grande branche là, ça fait mal ça. Attention. Bah oui, maman elle t'appelle. Il est peinard, il est à l'ombre. Ouais, on est bien là. Ouais, on est bien. Vous voyez, comment ça fanait, c'est dommage. Par contre, les arbres, ils sont bien en fleurs, là, de partout. Mais voilà quoi. Les loulous. En bronze, on rentre un petit peu. On rentre un petit peu. Canaille. Bon, voilà, je voulais vous dire quand même que je l'avais retrouvé. Et moi, je vais voir partout, je crie, je passe à côté de lui, puis je me retourne et je vois sa tête. Après, je demande à Ishka de m'aider à la chercher, mais... Elle s'en fiche, mais rentre si t'as chaud, Bobo. Enfin bon. Le principal, c'est qui je l'ai retrouvé. Bon, il ne devait pas être loin, hein, mais bon. Le problème, c'est qu'il est tellement petit que voilà. Bon, allez, moi, je vais me faire un petit café. Je ne sais pas quelle heure il est, mais cet après-midi, c'est un petit peu farniente. Hein. Voilà, on profite du soleil tant qu'il est là. Il est tellement rare en ce moment que voilà. Et là, il est 3h20. Ça passe pas, autant des fois ça passe super vite, autant là, j'ai envie de vous dire, ça passe pas non plus de ouf. Donc, bah, j'ai le temps, quoi. J'ai le temps. Donc là, je vais me faire un café tranquillement et puis je vais retourner de l'autre côté. Finir un truc que j'ai commencé hier. Je suis en train de faire de la peinture. Alors, je ne suis pas une trop de peinture, mais il faut que je passe ma deuxième couche. Donc là, je vais le faire, vu qu'il fait bon en plus. Ben, comme ça, ça va vite sécher. Je vais mettre une petite vidéo et puis comme ça, je vais faire ma peinture tranquille parce que c'est pas un truc que je fais en vidéo. C'est un truc que je teste pour moi perso pour le moment. Donc, après, je vous avais demandé, mais vous m'avez pas répondu, je crois, dans les commentaires. Justement, si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos DIY, ouais, avec de la récup ou pas de la récup et tout ça, vous m'avez pas répondu, je crois, en commentaire. Donc, dites-moi si ça vous dit. Et aussi, je m'excuse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'ai une partie de la vidéo qui manque en fait d'aujourd'hui, donc pour vous hier. J'avais filmé dans la voiture avec mon téléphone et sur les deux parties que j'ai filmées dans la voiture, eh bien, il y en a une qui a pas été prise en compte et je ne sais pas pourquoi, trop bizarre. Pourtant il n'y a pas de musique, rien et ça fait noir et je dis, bon mince. Alors j'ai pas compris pourquoi, je sais pas pourquoi, donc voilà, je m'excuse par rapport à ce truc, mais j'allais pas refaire le montage alors que la vidéo elle était déjà en ligne depuis 3-4 heures, et voilà, donc ben voilà, je voulais m'excuser, je sais pas ce qui s'est passé, pourtant la deuxième partie de la vidéo quand j'arrive au collège et tout est liée, et la première partie, je sais pas, je comprends rien, déjà je galère à trouver les fichiers de téléphone et tout, enfin... Je sais pas. Je sais plus comment faire pour vous filmer à l'extérieur, en fait, du coup, parce que à chaque fois, ben, à chaque fois, je galère. Donc, mais là, j'ai pas compris. Pourtant, ça m'avait bien mis. J'avais la vidéo entière, moi, sur mon... Sur Filmora et tout, j'avais la vidéo entière. Et ce matin, j'ai vu que ben, il manquait une partie de la vidéo. Ça fait noir pendant un moment. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je suis désolée. Mais pourtant, je vous dis, j'avais le truc entier, mais pas sur YouTube. Pas comprendre, je sais plus. Il y a moi et l'informatique, hein, ça fait deux. Donc voilà. Bon, allez, je vais me boire mon petit café et je vous reprends après, moi. Et puis voilà quoi.
Si j'arrive à faire ce que je veux faire, bon, ça ne sera pas fini aujourd'hui, je vous montrerai. Mais dites-moi si vous voulez qu'on fasse des petits DIY ensemble, des petits trucs de déco de maison, des petits recyclages, tout ça. Vous me le dites et on le fera ensemble si vous voulez, si ça vous dit. Et puis voilà. Bon, allez, à toutes. Allez, je vous reprends un petit peu la team, on va faire le tirage au sort. Enfin. Pas trop de retard, on devait le faire lundi, on est jeudi, voilà. Donc on va faire le tirage au sort, donc je vais le faire dans une vidéo spéciale. Je remets rentrer, vous dis bonjour, c'est le vlog ça. Bonjour, c'est le vlog. Il vient de rentrer là, il est en train de goûter. Un petit goûter, café goûté. Café goûté, faut pas prendre la bouche pleine. Et ben là, écoutez, on va faire la vidéo tirage au sort, comme oui, ça je fais vite fait le montage après, mais il n'y en a pas comme pour longtemps ça. De ça. Et voilà, donc on va vous papoter un petit peu tant qu'il goûte, on fait le tirage voilà. au sort. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour l'épluchage des crevettes. Depuis tout à l'heure, je me dis non, je vais le faire tout à l'heure, mais un kilo de crevettes à éplucher. Ah oui. Eh un kilo, oui. Oui. Quoi, tu veux m'aider? Quoi? Tu veux pas m'aider? Bon, allez, à toutes. Ça y est, on a fait le tirage au sort. Ça y est, pas trop tôt. Voilà, maintenant, le tirage. Il va falloir éplucher les crevettes. C'est moi la crevette. Je suis en rose. La tête à Jérôme. Genre, il a des trucs à faire. Non, mais je vais t'aider, sûr. Non, allez, moi, je vais éplucher ça. Et parce que je sais pas quelle heure il est, mais j'en ai pour une heure. Il est déjà 6 heures. Oh. Ça passe. Alors, autant tout à l'heure, je vous disais, l'après-midi, elle passait pas forcément vite. Et là, il est déjà 6 heures. Donc, alors, ce soir, ce sera salade, du coup, avec les crevettes. Et avec les crevettes qui va rester, demain, je pense que je nous ferai des pâtes aux crevettes. T'aimes bien en plus, ouais. Ou du riz, comme tu veux. Ça change un peu. Ah, du riz, ouais, ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps, mais c'est quoi ça? Ah, ouais. C'est inscrit sur le site avec plein de trucs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, sinon du riz aux crevettes. Parce que tous les vendredis, c'est pâtes. Il y en a où mercredi, c'est ravioli. Et nous, c'est vendredi, c'est des pâtes. Moi, ça me gêne pas. Moi, les après, c'est ce qui est le plus rapide pour moi. Parce que le vendredi, je vais faire un truc et tout. Après, je dis putain, il va rentrer. Nanana. Excusez-moi pour le mot, mais chez nous, c'est. Voilà. Mais. Oh, Marquis. Oui. Et. Mais... Je touche, il me fait comme ça avec la main, genre je... touche non, pas, je ça, comme les enfants, t'as fait attention, et là-bas c'est pour moi, alors je la touche. Bon allez go, mission, crevettes. Bon ça y est, j'ai fini d'éplucher mes petites crevettes, j'ai mis du temps. Là il est 7h moins le quart et là je vais monter le... la mini vidéo pour... ben, pour mince, pour annoncer le gagnant, enfin la gagnante du petit concours là et qu'on a fait pour la, vous savez pour la l'imprimante et c'est pour ça qu'il me faut absolument une deuxième carte mémoire. Je pense que je vais regarder sur sur Amazon pour en acheter une ou je sais pas parce que là le problème c'est que tant que je fais ça je pourrais pas vous prendre en vlog et voilà parce que normalement ça va pas mettre longtemps parce que la vidéo elle est pas très longue mais voilà voilà quoi. Donc c'est parti, petit montage vite fait des familles et après moi je passe en cuisine faire la salade pour les crevettes tout ça et bien je vous reprendrai dès que je peux. Ça y est, la vidéo a chargé. Moi entre temps j'ai fait, je vais faire des bêtises. Ma poche à crevettes, comme ça on va la sortir directement dehors, sinon ça va puer. Du coup, j'ai fait les concombres, comme je fais d'habitude, vous savez, au yaourt. Là, il me reste un fond de tartare, tout ça, donc je l'ai mis dedans. Ensuite, normalement, j'ai de la salade, j'espère, parce que là, je suis en train de penser. Ah, est-ce que... Ouais, c'est... Il me reste un peu de la cœur de laitue et il me reste aussi de l'iceberg, donc je vais mettre ça. On va mettre, du coup, de l'avocat. Oula, celui-là, il a l'air. Voilà, on va l'ouvrir. À mon avis, j'en ai un qui est cuit. Voilà. Donc, on va mettre de l'avocat. Mes petites crevettes. J'ai mis une demi-heure à les éplucher. Voilà. Je vais mettre des tomates. Et en fromage, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je mets
putain, c'était quoi ce bruit. Du coup, je sais pas si je mets de la mozza ou... Je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Du tout. Bon, déjà, je vais mettre ma salade. Alors, j'ai pris les assiettes comme ça, là, pour changer un petit peu. Vous savez que j'aime bien aussi pour la présentation. Et celles-là viennent aussi de chez Action. Voilà, si vous les cherchez. Enfin, moi, je les avais eues là-bas. Et elles sont bien et elles présentent bien, je trouve, pour les salades ou autres, même pour d'autres plats. Hein. Je trouve qu'elles sont pas mal. Elles sont pas trop grosses ni trop petites. Parce que des fois, les assiettes comme ça, elles sont énormes. Après, ça fait trop gros, quoi. Hop, je vais mettre le paquet de crevettes là-dedans. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, je vais préparer tout ça. Et je vous montre à la fin ce que ça donne. Ok ? Et voilà les petites salades. Elles ont l'air bien bonnes. Je pense que ça va bien nous caler ça encore. On a du pain frais, il reste un petit peu d'ail olive hier avec la mayo, vous savez, avec l'ail et tout ça, donc impeccable. Et nous, on vous dit bon appétit. Normalement. Bon allez, on a fini de manger, il est 8h20. Quand je vous dis ça passe vite. À 8h20, bah écoutez, c'était bon, hein. Basique, mais bon. Vous avez vu, il fait encore jour à 8h20, ça c'est trop bien. Vivement les beaux jours où on sera dehors et tout ça, tranquillou, barbecue, hein. Ça sera bien ça. Oui. Ça sera top. Bon allez, sur ce, bah nous on va vous laisser. Je vous dis à demain. Demain le week-end. Et ouais, déjà le week-end demain, c'est cool. En plus, ils nous annoncent, je crois, un super beau temps pour ce week-end. Donc si on peut, on ira se balader un peu hein, cette fois-ci. Ouais. Oui. Obligé quoi. Et bah écoutez, je vous dis à demain pour une journée encore. Bah, ça va être du sport demain. Ah oui, parce que tu dois bouger demain soir. Et ouais, parce qu'Elia finit à 3h, Jérôme à midi, blablabla, blablabla. Enfin, la routine du week-end, quoi, la routine du vendredi. On vous fait des gros bisous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Bah, à demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et épluchez des crevettes. Bisous.